Aujourd'hui, je vais me détendre, même si c'est la Saint-Valentin. Je vais jouer aux Sims. On va rénover la chambre de May. Bon, de base, j'avais prévu de la faire hors live, mais je trouve que c'est quand même une étape importante, intéressante. Tout ça. Donc pourquoi pas le faire avec vous? Je vous ai posé la question en fait sur les réseaux, sur Instagram notamment, oui, surtout, seulement en fait, même pas notamment, c'est seulement, uniquement. Ce que vous vouliez qu'on fasse, et c'est vrai que ce qui était sorti, ben, c'était la création de la chambre de May, donc je me suis dit, ok, bah, moi ça me va complètement. Et ensuite, je vous ai demandé si vous vouliez qu'elle soit seule dans sa chambre ou qu'elle soit avec quelqu'un. Et à 75%, même 85%, c'est seule qui est ressortie. Donc, elle sera seule, comme la plupart des Sims dans l'orphelinat. Donc, je pense que ce sera bien, hein. En fait, Henry va se retrouver, je pense, avec le grand, le beau, l'unique Jake. Et puis après, sinon, voilà, elle aura son petit coin de fille toute seule. Ce sera très bien. Voilà. Allez, on y va? On y va? Est-ce que c'est bon pour vous? Salut tout le monde. Première fois que je vois en live. Ah, bah bien vu, Kataya. Bien vu. bah bien vu, hein. Bienvenue. Et bien vu aussi. T'as bien fait de voir. Salut Nathalie, ça va et toi? Salut Candice, je te regarde tous les jours, bah merci beaucoup. Tu pourrais faire plus de vidéos Animal Crossing? Ouais, bah là on revient petit à petit. La semaine dernière j'ai fait un petit live, bah cette semaine en fait. Je sais même pas pourquoi je dis la semaine dernière. Et puis on en fera un également cet après-midi. Donc je le rappelle, la série avec May et... est avec l'équipe Omen Squad et vous avez le code promo Pixia sur le site Omen Squad si en ce moment vous voulez vous acheter un PC fixe, un PC portable, un casque, une souris, vous avez le lien dans la description d'Omen qui est donc une marque de gaming vraiment de qualité que je recommande à 100%. Voilà, c'est vraiment les meilleurs et je suis trop contente de faire partie de l'équipe. J'aime trop le concept où tu imagines des pièces de ta maison dans les Sims. Ah, merci Marie-Pierre. Bah, franchement, je vais faire ça également pour mon bureau parce que je suis perdue, mais... j'aimerais bien vous montrer, mais là, si je bouge ma cam, il y a tout qui va se péter. Donc, je peux pas vous montrer. Peut-être que je vous montrerai un petit peu sur Instagram. Mais ouais, j'ai plein de projets, mais personne me répond par mail. Ça me saoule. Les gens, ils veulent pas travailler. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, j'hésite à tout casser, mais je pense que je vais tout casser. Hein. On va repartir sur une autre base, même si je replace exactement les mêmes objets. C'est pas grave, je les replacerai au moins comme ça. Je partirai directement sur des couleurs qui me plaisent. Merci, Mélanie, pour ton don. 10 euros, mais t'es folle, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Trop gentil, et merci d'être présente. Merci, merci. Vous êtes trop gentil. Je disais tout à l'heure, d'ailleurs, en mangeant avec Mika, je disais, j'ai trop de chance d'avoir une communauté qui me soutient, peu importe ce que je fais, et qui est toujours là, et vraiment, ça me fait trop plaisir. J'ai vraiment de la chance. Voilà, je lui disais ça. Même pour la Saint-Valentin, au final, je pense à vous. Coucou et bonne Saint-Valentin à tous et des célibataires, ne désespérez pas, ne désespérez pas, ne désespérez pas. Ouais, oui, bah oui, de toute façon. Ouais, ça arrive, hein, d'être célibataire, tant que dans tous les cas, il faut profiter de la vie, qu'on soit seul ou accompagné. Voilà, et puis si vraiment vous avez envie d'être avec quelqu'un, bah, ça arrivera, c'est pas grave si là en ce moment vous n'avez personne. Vous trouverez le grand amour. Bon, après, j'espère que personne ne vous brise le cœur en ce moment. Hein. Ça m'énerve. N'hésitez pas à me le faire savoir. J'irai le voir. Ou la voir. Non, mais vraiment, l'amour, ça fait mal aussi. Hein. C'est beau et en même temps, c'est douloureux des fois. C'est un risque. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur du violet vu qu'elle aime le mauve. Et oui, elle a découvert le mauve depuis qu'elle est
qu'elle est maintenant grande. C'est un grand bébé. D'ailleurs, vous avez pu voir sur la miniature que j'ai changé sa coiffure. J'ai craqué. J'ai trouvé qu'en fait, cette coiffure, ça lui allait trop bien. Est-ce que vous validez ou est-ce que vous me détestez? Je te déteste. Non, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui dit ça. Mais peut-être que ça va pas tarder. Non, mais en fait, c'est vrai que quand elle a soufflé les bougies, elle avait une coiffure vraiment très très courte, elle avait des cheveux très courts, et c'était très joli. Et après, vous m'avez dit non, change-la, remets-lui le carré qu'elle avait lorsqu'elle était bambin, du coup j'ai changé. Et là, après, je suis retournée dans Créer un Sims, et j'ai vu celle-là, et j'ai trouvé que ça lui allait trop bien avec son visage. Je valide. Bon, si vous validez, ça me va alors. C'est trop mignon, trop belle et cool. Bah ouais, puis en plus, les barrettes, elles sont violettes. Je te déteste. Oh non, me dites pas ça. Perso, j'ai 14 ans et je vis en Guadeloupe et il est midi. Ah, mais c'est le matin. Oui, très très mal et je parle d'un vécu. Bah ouais, Audrey. Non mais moi aussi, hein, j'en ai eu hein, des larmes sur mon visage. Ouais, l'amour, ça fait très mal. Ouais. Mais bon, après, à la fin, normalement, on trouve le bon. Ou la bonne. Rupture hier après 3 ans et demi. Oh non, Olivia. Oh, hier en plus, la veille de la Saint-Valentin. Tu dois vraiment être mal. Bon, faut vraiment que tu relativises et que tu te dises bon, enfin, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais peut-être que voilà, ça n'allait pas et que ça n'allait pas fonctionner comme ça et faut passer à autre chose. En tout cas, ouais, faut pas revenir avec la personne qui vous a brisé le cœur. Enfin, à part si vraiment vous vous dites non, mais c'est lui et lui seul, on peut recoller les morceaux, on peut en discuter, ça peut se faire, on va faire des efforts. Mais si la personne ne fait pas des efforts en face, franchement, il faut pas. Il faut pas regretter. Moi, un jour, j'avais quitté mon petit copain et au final, il était retourné. Enfin, il avait trouvé une nouvelle copine très très rapidement. Et ça m'avait vraiment fait mal, alors que de base, j'étais pas du tout triste de cette rupture. Au contraire, j'étais contente, parce que je me disais, lui, il est pas fait pour moi. Et en fait, quand j'ai appris qu'il avait une nouvelle copine, là, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait chier. Et j'ai voulu le récupérer. Et j'ai pleuré, alors que de base, je pleurais pas du tout de cette rupture. Enfin, trop bête, vraiment trop bête. Bah ouais, après, je me suis rendu compte que non. Non, j'avais bien fait de le quitter et faut rester comme ça. Et aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir quitté. De toute façon, dans tous les cas, j'aurais revenu avec lui, je l'aurais quitté 2 mois plus tard. Donc bon, voilà. Des fois, il faut vraiment réfléchir longtemps, savoir si c'est la bonne personne ou pas. Qu'est-ce qui est bien chez lui, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que réellement je suis heureuse ou est-ce que il me rend plus malheureuse qu'autre chose. Et voilà. Mon mec m'a trompé aujourd'hui. Oh non, aujourd'hui, Simon. Si tu quittes Mika, passe-moi son tel. Non. Ah, ça me fait mal au cœur, ça. Oh non, Mika, il est trop gentil, il est trop parfait. Il est trop bien. Donc en tout cas, ouais, ton mec t'a trompé aujourd'hui, Ça, bah voilà, faut pas pardonner. Hein. Franchement, faut pas pardonner. J'ai envie de lui mettre un lit double, un lit de princesse et tout. Mais non, ça, on verra plus tard quand elle sera plus grande encore. Moi, j'ai bientôt 35 ans et je suis avec mon homme depuis mes 14 ans. Cette année, on fête nos 21 ans ensemble. Il faut y croire. Un jour, on trouve la bonne personne. Oh, c'est beau, ça, Lali. C'est vraiment beau. Depuis tes 14 ans, c'est fou. 21 ans, franchement, c'est super beau. C'est trop, trop beau. Ouais, c'était ton âme sœur au final. C'est beau. Ça fait rêver. Moi, je suis avec Mika depuis mes 18 ans. Enfin, on se connaît. Ouais, depuis. On se connaît depuis qu'on a 17 ans. Et voilà. Maintenant, j'ai 26 ans. Voilà. On est toujours ensemble.
si la relation s'éteint, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que oui, si elle se finit pour une raison ou une autre, faut la laisser partir. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que s'il y a une dispute, ok, voilà, une dispute, chagrin, ça va pas, colère. Mais on en parle, on voit ce qu'on fait. Si ça peut se résoudre, ben voilà, on continue. Mais si on se dit, ben non, c'est fini, non, je peux pas passer. Enfin, je peux pas me dire que je peux pas te pardonner, quoi. Et ben forcément, là, je pense que oui, il y a quelque chose qui est cassé et il faut passer à autre chose. Même si ça fait mal. Mais bon, après, j'en connais, hein, qui ont eu des ruptures et pourtant qui reviennent avec la personne et ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Hein. Toutes les histoires sont différentes. Mais ouais, il faut peser le pour et le contre. Le lit avec les rideaux en mauve. Mais c'est exactement ce que j'ai mis. C'est vrai qu'il est trop beau ce lit. Moi j'aime bien celui-là, avec le bleu et les rideaux violets. Là, je le trouve vraiment doux celui-là. Après, j'aime bien celui-là aussi, mais j'aime pas trop les motifs des draps. Je trouve ça un peu trop moderne par rapport aux autres en fait. J'ai pas envie que ce soit non plus la princesse de la maison qui se retrouve avec une chambre luxueuse. Alors que les autres, ils ont fait avec les moyens que l'orphelinat avait, quoi. Donc, faut pas que ce soit différent non plus. Du coup, je me dis que je peux faire ça et quand même utiliser un vieux papier peint qu'ils ont sous la main. Comme ça, par exemple. Je sais pas trop sur quoi partir. En fait, il faut pas que je fasse un doublon de la chambre d'à côté et... Il faut quand même que ça ressemble aux chambres d'à côté. Non. Compliqué. Un live Sims 2 un jour. Bah, Elina, on a fait un live avec Mika, c'était vendredi soir. Et je pense que je vais reprendre la rediff de son live et vous faire une petite vidéo avec ce qu'on a fait parce que franchement, c'était bien drôle. C'était n'importe quoi. Et ouais, je pense que ça peut faire une petite vidéo de 10-20 minutes assez sympa. Ça, je pense que c'est trop foncé. C'est super joli, mais ouais, c'est trop foncé. Donc ouais, je pense que je vais reprendre ça. Mais sinon, oui, j'arrête pas d'y penser. Sims 1, Sims 2, moi j'ai envie de faire des vidéos là-dessus. Donc je pense que ça va pas tarder. Hein. Franchement, je l'ai en tête. Je pense que je vais mettre ce truc, même si je suis pas trop fan hein, de ce papier peint avec les feuilles. Les herbes. Ben, je trouve que c'est mignon pour une chambre de petites feuilles. Ça, c'est trop moderne, voilà. Oui, il y a celui-là, ouais. Celui-là, ça peut être cool. Vous préférez quoi? Ouais, je sais pas, vous préférez celui-là. Ouais, je suis sûre. Mais pour le coup, j'ai l'impression que ça fait bling-bling par rapport aux autres, non? J'ai vraiment pas envie qu'elle apporte de la jalousie, en fait, dans l'orphelinat. Ouais, c'est la princesse, gna gna gna. Là, ici, le lit, je sais pas si je le modifie. Bon, non, Henri, il sera là. Ce sera bien. Peut-être que ça, je vais le changer vite fait. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ouais. C'était quoi, de base? C'était ça? Ah. En noir, plutôt, peut-être. Allez. Moi, ça fait un an que je suis avec bientôt 2 ans. Moi, ça fait un an bientôt que je suis avec bientôt 2 ans. J'ai pas compris, Wookie. Je pense que ça fait un an que tu es avec ton copain avec bientôt 2 ans. Du coup, ça fait plus d'1 an? Tu peux aussi mettre le papier peint blanc. Mais là, pour le coup, c'est pareil, ça fera trop moderne, je trouve. Avec les herbes, les étoiles, avec les points, le rose avec les étoiles. Ouais, en général, c'est plus les étoiles qui ressortent. Oh, merci Coco! Joyeux Saint-Valentin à toi et ton chéri. Merci beaucoup! Merci, joyeux Saint-Valentin à vous aussi, même si vous êtes célibataire. Oh, et merci Fanny, merci pour ton nom, avec tes petits sapins. Merci.
J'ai un but avec les Sims, ça me dit dans la construction option gratuite, pourquoi ? It's for an état, j'avais pas compris. Merci pour mon nom. J'ai un but, un bug. J'ai un bug avec les Sims, ça me dit dans la construction option gratuite. Attends, j'essaye de voir si je peux capter quel est ton bug. Bon, je regardais si ça pouvait pas être plutôt un objet qui était à débloquer, mais non, ça met pas ce message. Option gratuite, ça me dit dans la construction option gratuite. Je sais pas du tout, je suis désolée. Je comprends pas. Je suis désolée. Ah, c'est beau. Je suis célib, rip, mais au moins j'ai ma famille. Mais oui, c'est beau. Mais oui, Alexia. Première fois. D'ailleurs, j'avais envie d'envoyer un petit bouquet à ma maman. Je pense que je lui donnerai un bouquet mardi. Ma petite maman. Mes parents, ça fait bientôt depuis 28 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble depuis qu'ils sont très jeunes. C'est beau, Samila. C'est beau. C'est vraiment bien. Moi, j'espère aussi hein, que ça va durer jusqu'au bout. J'ai les Sims 4, le jeu de base, et je ne sais pas comment faire pour activer la barre de code. Alors, tu appuies sur CTRL, puis la touche au... ça commence mal. Mon explication commence trop mal. Tu appuies sur CTRL, MAJ, donc MAJ, c'est la touche qui est juste au-dessus de CTRL, et en même temps, tu appuies sur C, donc CTRL, MAJ, C, et là, ça va ouvrir la barre de code, et là, tu fais ton code, soit Motherload pour avoir 50 000 Simflows, soit Money, puis plus loin, 1 million si tu veux 1 million, soit BB Move Object si tu veux bouger les objets comme tu veux, enfin, de toute façon, t'as tous les sites, t'as tous les codes sur Internet. Mais voilà comment on ouvre la barre de code. Et après, tu appuies sur échappe pour enlever la barre de code. Ah. Je me suis allongée à la jambe, ça m'a fait du bien. Moi, je sais pas ce que j'ai... Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai extrêmement mal au genou. C'est horrible. Quand je monte les escaliers, quand je m'assois, quand je me lève, quand je plie les genoux, j'ai mal. Carescool et toi, comme je l'ai déjà dit, vous êtes magnifiques ensemble, ça se voit que vous êtes en totale harmonie. Merci Jelika. Merci pour ton nom. Bah ouais, hein, bah après, c'est sûr qu'on n'aurait pas déménagé ensemble dans une maison aujourd'hui si au final on se projetait pas même encore plus tard, tous les deux, donc ouais, je trouve qu'on est bien. Elle est moche la chambre. Ah toi, je te banne. Je rigole. Ah, c'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil. J'aime bien ce meuble dans cette chambre. Vous trouvez pas que ça fait un peu vieillot Mais franchement, les gens, arrêtez de vouloir toujours le moderne, s'il vous plaît. Dans les Sims, ce qu'il faut, c'est créer une ambiance. Il faut... voilà, ici, il y a plein de bordel, il y a plein de bazar. Ben, je me dis, voilà, cette chambre, elle est utilisée. C'est la chambre de mon petit garçon, là, qui fait des petites expériences. Et je préfère ça plutôt que de créer une chambre parfaite dans les couleurs que je préfère, où il n'y a aucun défaut, tout est clean. Pour moi, ça n'a pas d'âme, en fait. Et c'est pareil dans la vraie vie. Moi, si j'achète une belle bâtisse, une maison de maître, que j'ai envie de rénover, ben, je vais la rénover, mais je vais garder également... quelques petites touches de l'ancien pour toujours avoir cette âme. J'ai pas envie direct de partir dans du moderne et de tout gâcher quoi. En fait, au final, quand on part sur du moderne, ça ressemble à tout le monde. Ça, je trouve que c'est nul. C'est beaucoup plus chic de partir dans quelque chose d'ancien. Bon là, après, je dis pas que c'est chic, bien sûr, mais je change encore de sujet. Mais je trouve ça tellement mieux de, dans les Sims en tout cas, de créer un petit bazar et de pas forcément être dans quelque chose de parfait. Elle est rose et bleue, moi j'aime bien. Bah oui! Le vieux c'est mignon, mais oui!
papier peint plus ancien, non? Bah, j'ai pensé aussi, c'est vrai, mais bon, ici, il est pas si ancien que ça, et je trouve ça mignon. Dommage qu'il n'existe pas en violet, celui-là, hein. Il est vraiment mignon, je trouve. Ah, et ça, vous préférez quoi entre les étoiles et les nuages? Ce papier peint, ça me fait penser au style de papier peint que j'avais moi quand j'étais petite et je trouve ça trop mignon, je sais pas, ça me ramène dans mon enfance. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je fais ça. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout habituée à ce genre de déco, donc en même temps je comprends que ça choque. Ça doit être pour ça. Joyeux Saint-Valentin, toi et ton amoureux, et merci pour le live, continue ton travail, gros bisous. Merci beaucoup Alexandra. Mais dis donc, vous êtes généreux aujourd'hui, c'est parce que c'est la Saint-Valentin ou quoi? Merci beaucoup. Les nuages... L'herbe. Toujours l'herbe. Nuages, étoiles, nuages. Il y a plus de nuages quand même. Allez, les nuages. Merci Fanny pour ton don. Merci beaucoup. C'est quoi cette poire qui danse là, ouais, qui rigole? Merci beaucoup. Bleu étoile, celui de la chambre d'à côté, s'il te plaît. Ah, mais il n'existe pas. Enfin, il existe en rose, mais c'est pareil. Non, ah non, même pas. Ouais, c'est du orange. Ouais, là, pour le coup, c'est moins mignonné, quoi. Et là-bas, je crois qu'on a du violet, par contre. Non, du rose. Mais bon, c'est pas. En fait, ouais, j'ai pas non plus envie d'utiliser le même. C'est pour ça que j'ai essayé de dépareiller, mais ouais. Là c'est pareil, ça c'est pas très très joli. Moi j'aime bien les nuages. Allez vous pour les nuages. J'ai quoi là? C'est quoi ça là? Mais c'est les cartes postales du petit hamster. Mais on va les mettre là. Il est allé à Paris. Ah, ça c'est un doublon. Ah non, on vend. Hein. Voilà. Ensuite, pour la table d'eau chauvée. Mais j'ai l'impression que sa chambre est immense par rapport aux autres. Mais c'est vrai, oui. Bon non, c'est pareil qu'en face. Ok. On va lui mettre une ancienne table de chevet. Voilà, un peu abîmée, mais pas trop. Hop, comme ça, c'est comme chez les autres. Hein. Pas de différence. Et on lui met, pareil, une petite lampe de chevet. Alors, tout le monde a celle-là, mais je sais pas si je mets exactement la même ou si je change. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, moi, ça ne m'inspire pas. Hein. Ça, là. Enfin, ça c'est beau mais ça c'est trop vieillot, je crois que je l'avais pas mis pour ça. Je vais utiliser la même que chez les autres, je pense qu'elle existe en violet ou en rose. En fait le violet, comme il y a un peu de jaune, ça ressort pas violet, c'est dommage. Ouais, c'est marrant, j'ai souvent la question en commentaire, est-ce que tu es toujours avec Gary's School? Je trouve ça marrant qu'on me pose cette question. Enfin, ça veut dire que ce sont... Enfin, je sais pas. Du coup, je sais pas si ce sont des personnes qui nous connaissent depuis longtemps, et ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vus ensemble, et du coup, ils nous posent la question. Enfin, juste... Ou des personnes qui posent la question comme ça, sans réellement se poser la question, je sais pas. Ça m'intrigue à chaque fois, quand on me pose la question. Ça, c'est pas réellement rose. En fait, il faut que je change la lumière dans le mode vie, je pense, pour que ça sorte vraiment rose. Je pense que je vais choisir celle-là. Voyons. Régler la couleur de cette lampe. Ah oui, là, pour le coup, c'est rose, hein, oui. Mais c'est trop... Oh, c'est mignon. Ouais, faut que je parte plus sur du blanc, comme ça, ça sort rose. Ok. Ouais, c'est mignon. Ouais, forcément, quand la lumière est jaune, eh ben, ça ressort orange. Donc ensuite, on lui met un bureau, comme tout le monde, pour qu'elle puisse travailler. Je vais lui mettre un grand bureau. Là, il n'y a pas de blanc dans celui-là. Ah, mais après, je
peux également mettre des meubles en bois ou en gris. Là, j'étais partie dans du bois foncé, là du bois moyen, là du bois clair, là du blanc, et là... J'essaye de trouver un bureau gris. Ah, ou rose. Celui-là. Même s'il est moderne. D'ailleurs, j'ai mis lilas, mais il pourrait être ailleurs, en fait. On peut le mettre comme ça, ça là. Je sais pas si c'est pratique. Non, moi j'ai envie de la voir dormir. Enfin, j'ai envie d'avoir directement une vue sur son lit. Peut-être qu'elle est comme ça. Ça dans le coin. Voilà. Ça serait mignon de faire ça comme ça. Comme ça, tu rentres. Ça peut être mignon. Qu'est-ce que je mets dans le coin, là, ici? Une licorne? Ah! On n'a qu'à déplacer cette licorne, on va dire que c'est à elle. C'est pas une licorne, c'est un lapin. Il est parfait, ce bureau. Ah! Merci, Miloud. Est-ce que tu pourrais faire un challenge rénovation? Ouais, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire, quand vous me dites ça, quand vous me dites, est-ce que tu peux faire un challenge, machin, vous voulez que je vous propose un challenge, donc que moi je crée un challenge et que je vous le propose, ou est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où je réalise moi-même le challenge? Chaque fois je me pose la question aussi. Parce qu'il y a les deux, c'est vrai. Non mais écoutez, je trouve que ce meuble va vraiment bien. Personne ne sait pour la lampe de chevet prisme. De quoi, Émilie? C'était quoi ta question? Les gens, c'est quoi la lampe de chevet prisme? Ça vient avec quoi? Ah! Bah, elle est pas dans le jeu de base. Elle est pas dans le jeu de base. Elle est... Elle serait dans les Sims 4 Deluxe? Peut-être que c'est dans les Sims 4 Deluxe. Pixie, est-ce que sur YouTube, il y a les commentaires du genre... Wise... Hein? Il y a les commandes du genre Wisebot comme sur Twitch pour pouvoir informer les viewers? Je crois pas. Je regarderai, mais je crois pas, non. Me semble pas. C'est dommage, hein. Les deux. Tu nous proposes un challenge construction, par exemple, et après, tu nous montres comment toi, tu aurais fait. Ouais, Caro. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je verrai. Mais en fait, moi, je suis pas inspirée pour vous proposer des challenges. Je suis pas du tout inspirée. Du coup, je me verrai plus en faire. Mais on verra, peut-être qu'un jour je serai inspirée et du coup je vous proposerai quelque chose. Et ouais, esprit tiki, mais en vrai, les vidéos... Enfin moi j'adore faire les vidéos où je découvre vos créations, mais ça prend du temps. C'est super long. En fait, entre... Bah, regardez toutes les créations, bah, c'est super cool hein, de voir toutes les créations. Mais en fait, c'est de commenter toutes les créations en vidéo, c'est long. Et après, tu fais le montage de ta vidéo, tu te rends compte que la vidéo est beaucoup trop longue. Donc du coup, tu passes plus de temps sur le montage parce que tu as envie que ce soit plus court. Du coup, tu coupes plein de trucs. Et ouais, je trouve que c'est super long. Enfin, c'est pas super agréable comme montage à faire. Il y a beaucoup plus agréable, quoi. En fait, c'est ouais, j'aime bien découvrir vos créations discretos de mon côté, mais c'est vrai que les vidéos là-dessus, enfin, je pense que pour vous aussi, c'est cool de voir tout plein de créations, parce qu'au moins comme ça, vous pouvez piocher aussi les bonnes idées, et il y en a des tas, mais le montage est chiant. Vraiment. Voilà. Je vous l'avoue, c'est chiant. Après, à la fin, quand t'as fini, t'es content, quoi.
Bah ouais, ça fait du monde, hein. Puis on se rend pas réellement compte, enfin tu dis, bon, ça, c'est que 20 personnes. Mais même si tu choisis que 20 personnes, soi-disant, c'est énorme. Ça prend énormément de temps. Parce que, ouais, si tu... Enfin, en général, tu découvres la maison, tu prends 10 minutes. Donc ça fait 10 fois 20 déjà. Mais en général, tu regardes pas seulement 10 créations, 20 créations. T'en regardes beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Bon, alors j'aimerais mettre un miroir, mais là, je suis perdue. Je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est à chaque fois comme ça. Quand je joue pas. Non, mais je sens, hein. Je sens que... Sa chambre va être beaucoup plus classe que celle des autres, c'est sûr et certain. C'est... De toute façon, c'est la chouchoute. Voilà, on l'a tous compris. Bon, elle va pas pouvoir avoir de plantes, je pense, dans sa chambre, parce que quand même, ça reste une enfant. Mais on va dire que ça, c'est en plastique. Pourquoi pas ça? Ça serait mignon. C'est la plus girly de la team. C'est Mimi. Décoration, non, moi je voulais aller dans enfant et je voulais quand même aller lui trouver des petits trucs comme ça. Mais ouais, mais c'est trop mignon. Une chambre d'enfant quoi quand même. Mais lui, des photos et des tableaux sur son mur. Oui. Mais... Oh oh. On n'avait pas des photos. Ah oui, si. On a des photos de ses parents, mais... C'est pas ce que je voulais. Mais par contre, on a... son petit truc de naissance. On a une carotte. Waouh. Voilà. Ah, on a ses devoirs. Tiens. Tu feras tes devoirs. Et ouais, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que oui, il faudrait qu'on aille faire des photos. Bah, c'est ce qu'on peut faire là aujourd'hui. On va prendre des petites photos. Mais c'est fou! J'ai pas pris de photos quand elle était bambin. Oh non! Bon, il faudra que je m'amuse à chercher des photos. On dira rien, mais la prochaine fois, il y aura plein de photos d'elle partout. Ce genre de truc, j'aime trop ça dans les chambres d'enfants. Il n'y en avait pas chez elle d'ailleurs, il me semblait que j'en avais mis. Mais tiens, hop. Dites-moi ce que je pourrais rajouter. Oui, une chaise. J'allais aller dans salle de bain et choisir des toilettes. C'est sympa comme chaise, ouais. Ça rentre pas comme chaise. C'est dommage, ça aurait été sympa aussi, ça. Ah! Oh, rose! Bon, ça va pas, mais... Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chaise, hein. Vraiment, je m'en lasserai jamais, hein. En fait, c'est chiant. Je pense que je vais mettre celle-là. Mais en même temps, je me pose vraiment la question si je garde ce bureau. Je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il fait trop moderne. Après, on peut dire qu'elle vienne de l'acheter chez Ikea, mais que le reste, c'est ce qu'elles avaient dans le box qu'elle loue là, pas très loin, en centre-ville. Je sais pas quoi faire. C'est soit je mets ce bureau, soit je mets celui-là. Vous préférez lequel? Le 1 ou le 2? Ou un petit comme ça? En fait, je trouve ça mignon de le mettre en plein milieu de la pièce. Enfin, les deux, ça me dérange pas. En attendant, je mets un tapis. J'ai soif. Oui. Je vais aller chercher ça. Hop.
Hop. Tous ces petits jouets. Toi, tu vas aller là. Et le petit fantôme. Qui sera toujours à côté d'elle quand elle dort. C'est trop mignon. Bon, celui-là, là, je l'aime pas, lui, là. Mais bon, on le garde. Mais bref, je t'avoue que je l'aime pas. Il va pas du tout dans la déco. Alors certes, ça a été offert par son papa. Mais bon, je suis pas fan du tout. Le bureau moderne, le grand, le petit. Le petit. Attends. Hop. Celui-là, celui-là, du coup, je vois pas ce que c'est. Ah oui, une maison de poupée aussi, ouais, c'est vrai. Mais quoique, sachant que les autres n'ont pas de si grands jouets dans leur chambre, je sais pas si elle aurait le droit d'avoir un si grand jouet. C'est gentil, Caro. Bon, elle va attendre un peu. Il y a son poisson. Ah oui, c'est vrai. Eh, vous pensez à tout, hein. Tiens, on va le mettre sur une petite table, je pense, pas trop loin, là-bas. Bah, en fait, on pourrait le mettre sur cette table, mais bon. Attends, je supprime celui-là. Voilà. Et puis, de ce côté-là... Je pense que plus tard, ben, elle changera certainement toute la déco. Elle dira ah non, en fait, j'aime pas du tout. Mais c'est ça qui peut être cool, c'est que ça va évoluer. Ça, c'est... À chaque fois, je me pose la question, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, je sais pas si j'aime cette table. Trop bizarre. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Bah, est-ce que je peux le mettre sur le bureau? Ça va? Ça prend pas trop de place. Ça prend pas mal de place. J'essaie de le décaler sur le côté. Faut pas qu'il tombe. Oh. Bah sinon je le mets à la place du pingouin. Et le pingouin on le met ailleurs. Ah mais c'est pareil où? Ouais en fait je vais faire ça comme ça. Et ça je vais le mettre plus comme ça. Et pas bouger le nounours. Non. D'ailleurs, si, faut que tu te mettes là. Comme ça, on est bien. Il est grand cet aquarium quand même. Le petit bureau. Et voyons, est-ce qu'on n'a pas un bureau rose? Enfin, bon, celui-là, même pas. Ah, mais celui-là, il est mauve. Oh! Celui-là, il a une petite fleur. C'est chiant. Parce qu'en fait, j'aime bien ce petit bureau, mais je trouve que c'est cool, ce grand bureau, parce que vous voyez, on peut mettre tout plein de déco sur le haut, on peut en mettre ici, dessous. Désolée, je reçois plein de messages. Bah, c'est assez important, mais du coup... Je réponds juste après. Le bureau en plein milieu de la pièce, c'est plus sympa, ça change. Je trouve aussi. Et je pense que moi, j'aurais été petite. Enfin, j'aurais eu cette chambre. Je pense que j'aurais aimé avoir mon bureau comme ça. Parce que t'as l'impression que t'as plus ton petit cocon à toi. Quand quelqu'un rentre dans la pièce... tu le vois arriver quand t'es sur ton bureau. Alors que quand t'es comme ça, il peut te surprendre. Moi, j'aime pas ça. C'est vrai que là, ça peut être mignon. Voilà, je choisis le tapis. Le tapis. Peut-être que je vois celui de Escapade enneigée, non? Le mouton, là. Les Sims disent que c'est de la fausse peau de mouton, mais moi, je dis que c'est de la vraie.
Les Sims nous mentent. En vrai, j'aime pas trop ce genre de tapis. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un mix. Qu'est-ce qu'on aurait comme truc? Il me faudrait un truc. Oh, c'est trop mignon! Attends, on vire ça. C'est trop chou ce truc. En fait, je me dis que ça reste une enfant. Il faut que ça reste une enfant. Oh, regardez, j'ai caché la tête de la tortue. Ah non. Elle est là. Enfin, là, j'ai caché la tête de la tortue. Et on dirait que c'est un tapis avec des petits pompons bleus. Je suis la seule à penser ça. Moi, je trouve ça mignon. Ça, c'est trop. Est-ce qu'il existe en bleu? Non. Est-ce que ça, il y a des trucs sympas? Non. Là, non plus. Là, peut-être que oui. En fait, je l'adore ce tapis, mais il est tellement lumineux, il n'y a pas de texture, enfin, à part quand on zoome, mais quand on regarde ça de loin, on dirait que c'est du papier et ça m'embête. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus sale, quoi. Qu'on voit que c'est un tapis. Mais ouais, là c'est un tapis soleil. Enfin, peut-être que c'est pour ça. Ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah! J'aime bien ces formes-là. Ça va pas du tout avec le reste de la chambre. En fait, ce serait violet au lieu de jaune, ce serait mieux. Ça ne me va pas. Lequel ira? Tapis fourrure rectangulaire. Oh, je le déteste. Tout le monde l'adore sauf moi. Je vous jure. Tout le monde le met. Et moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais pourquoi? Je crois que je vois, hein. Mais je sais pas pourquoi, moi, je l'aime pas du tout, ce tapis. Pas ça. Je vais y arriver, je vous jure, je vais trouver. Non. Ça, c'est pareil, c'est jaune. Ça, c'est beige. Voyons, un petit... C'est mignon. Du coup, j'enlève ma tortue, quoi. C'est mignon, mais non, c'est trop, en fait. Par rapport aux autres qui ont un tapis de merde, pourquoi elle aurait un tapis trop stylé? Je suis pas d'accord. Celui-là, je l'aime bien. C'est pareil, il n'y a pas de couleur qui me plaise. Ça va pas avec la chambre. Un petit blanc, comme ça. Comme à côté. Mais il est grand en fait. Un tapis, ça suffit déjà, non? Bah ouais, c'est vrai, je trouve aussi en fait. Oui, en fait, on va laisser comme ça. Non, mais peut-être juste un par là, quoi, pour utiliser l'espace ailleurs. En fait, après bon, je suis pas sûre de garder celui-là si j'en mets un autre, mais juste comme ça par exemple, c'est sympa. Oh! Je me demande ce que je préfère, tiens, entre le vert et le beige. Je trouve que le vert apporte un côté plus mature et je trouve ça cool. Voyons si je remets ce truc là. Moi, ce genre de tapis, je les utilise pour mes animaux.
Ouais, j'aime bien en acheter. Enfin, je trouve ça mignon devant un miroir, par exemple. Mais en général, ce qui me motive à acheter ce genre de tapis, c'est que je me dis, ce sera pour Newton. Et comme ça, ben, dans mon bureau, il va s'installer dessus et je trouve ça mignon. Mais après, sinon, je me dirige plus vers de plus grands tapis. Et ça m'embête un petit peu de marcher sur ce genre de tapis parce que j'ai l'impression que ça se salit super vite, le fait d'avoir des grands poils comme ça. Et quand j'imagine, je sais pas, plusieurs personnes marcher sur ce tapis, ça me fait péter les plombs. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui doit être sale ce tapis. Par contre, sous le lit comme ça, mais si vous savez qu'il y a seulement vous et vous seul qui marchez sur ce tapis, ça va. Parce que vous savez que là, vous vous lavez les pieds, il n'y a pas de souci. Mais si tout le monde marche dessus, ah! Bref. Vert est mieux. Beige. Beige, vert, vert, beige. Oh non, c'est horrible vert. Ah. Moi, je mets jamais de tapis dans la maison. Ah ouais? Ah, c'est drôle. Ah ouais, la musique est trop forte. Ok, je baisse un. Je baisse un. Un tapis, ça va. Vert. Ah, c'est mitigé, ouais. Ouais, j'ai abandonné le violet. Mais après, si tu mélanges du bleu et du rose, ça fait du violet. Voilà. Donc oui, celui, le tapis que tout le monde adore et que moi je n'aime pas, c'est... Il est où? Lui, je l'aime bien. Il est mout-mout, mais il est bien. Et c'est lui, le tapis peluche de confort. Faites-vous plaisir, et plus particulièrement, faites plaisir à vos pieds avec ce luxurieux tapis à la mode en peluche. Il n'est pas aussi cher qu'il en a l'air. Mais franchement, luxueux ça? Ça! Donc en fait, la plupart des gens, je vois dans les créations, l'agrandit et le mettent sous le lit, là, comme ça. Ah merde, comme ça. Et moi, bah, le fait de l'agrandir, ça fait ressortir encore plus tous les défauts. Pour moi, le relief est mal fait, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai du mal avec lui. Et du coup, je me dis, c'est peut-être moi le problème, hein. Donc un jour, je ferai une vidéo, j'utilise tous les objets que je déteste, et bien cet objet en fera partie. Voilà. Et donc, même en petit comme ça, je ne me vois pas l'utiliser. Pour moi, il est abîmé. C'est comme un papier chiffonné. Cette couleur-là, c'est la pire, je pense. Et bon, celle-là aussi, enfin, toutes les couleurs, en fait. Le blanc et le noir, ça va, mais... Mais, ouais. Mais je comprends pourquoi les gens vont vers celui-là, parce que oui, c'est la mode hein, de ce genre de tapis, et bon, même moi, j'ai ça dans mon salon, hein. Mais juste, ben, du coup, je le trouve pas très bien fait dans les Sims, et je trouve ça dommage, parce que oui, c'est vrai que c'est un indémodable, un incontournable, mais faites-en un mieux. Et en plus, c'est le seul. C'est le premier tapis moutmout qui est arrivé, parce qu'il est arrivé lorsque la donne Vicitadine est arrivée. Donc c'était il y a bien longtemps. Maintenant, il y en a d'autres de tapis moutmout, mais il n'y en a pas des carrés, des rectangles. Donc, il y en a beaucoup qui font toujours avec celui-là. Mais moi, je préfère celui-là par rapport à l'autre, quoi. Ouais, un tapis, ouais. C'est un torchon. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi aussi, ça fait chiffon. Oui, c'est vrai, ce tapis fait, on dirait un chiffon. C'est vrai, Marika. Et c'est vrai, Isolde. Si on cache les bords sous les canapés, on y voit que du feu, non? Ouais, ouais, peut-être, ouais. Voyons. C'est vrai. Ouais, vu comme ça, là, ça va, ça fait mignon. Ah! Attends.
Attends. Mais du coup, je trouve ça trop dommage parce que, enfin, moi personnellement, il y a plein de chambres que je trouve trop belles dans la galerie et tout. Et elles sont super luxueuses. Et il y a ce tapis au milieu et je me dis, ah, mais ça gâche tout. Bon, ça va, du coup, il y a juste le tapis à enlever. Mais c'est drôle, ça me gâche toute ma pièce et je me dis, ok, bah non, en fait, je vais pas la télécharger. Ouais, du coup, vous m'avez dit une bibliothèque. Est-ce qu'il y aurait un autre objet intéressant à mettre dans une chambre d'enfant? Bon, à part la maison de poupée. Mais la maison de poupée, je sais pas si elle passe. Les enfants, ils peuvent pas utiliser les coiffeuses en plus, hein. Et puis, en fait, ce que je me dis, c'est que de toute façon, ils ont tout plein d'autres endroits pour jouer. Donc, il y a la maison de poupée ici, il y a la maison de poupée en bas. Et je me vois pas leur mettre forcément de jouer dans leur chambre. Ça va un peu nous bloquer l'espace, quoi. À part si je l'utilise juste comme élément de déco et que je la mets un peu comme ça. J'espère que ça va pas bloquer l'autre là. Mais ce serait mignon de l'utiliser comme déco. Est-ce qu'on peut la mettre là, par exemple? Attendez, je regarde. Ouais. Non, là. Une lampe. Je crois que quelqu'un... Ah mais non, dans toutes les chambres, j'ai utilisé... Pas du tout. Dans toutes les pièces de l'orphelinat, j'ai utilisé ces lampes-là. Mais c'est vrai que dans les chambres, bah du coup, je peux utiliser celle-là, là. La IKEA. Mais c'est pareil, ça serait peut-être cool de modifier la couleur et comme ça, on pourrait peut-être avoir un mauve ou quoi. Régler cette lampe. Voilà. Et je me dis que je peux la mettre là, par exemple. En fait, je pense que je vais mettre juste un petit fauteuil, hein. Son sac à dos. Elle va avoir le même que Farah. Parce qu'il n'y a pas trop de couleurs, hein. Ça, c'est le sac de Élise. Ou alors je lui mets un bleu. Bon allez, on lui met un petit rose aussi. Je lui accroche à la chaise, comme pour Ben. Ah, je l'ai mal cintré. Eh, c'est pas mal. Ça se voit bien. C'est vraiment parfait. Alors que là... Ah, mais là aussi, c'est parfait. En fait, ça tombe pile poil dans les trous. Donc on dirait vraiment que c'est réaliste, quoi. Un fauteuil coloré. Let's go. On y va. Je regarde vite fait s'il n'y a pas de la petite déco qui peut être cool dans sa chambre. Oh, j'adore ça. Peut-être quand elle sera ado. Un balai, c'est Cendrillon. Ça. Ah, c'est mignon ça. Plutôt ça comme ça et ça comme ça alors. Ah, là comme ça et ça là comme ça. Ouais.
Ça, c'est quoi déjà? Ah oui, des moufles et tout. Rien à voir. Là, je pourrais lui mettre ses petites photos. Je vais le mettre en plus petit. Et je pense qu'on mettra des photos là. Ça sera cool. Et ça, est-ce qu'il y a un truc bleu ou violet? Ou rose? Non. Ça, c'est chez Farah. Farah, elle en a, je crois. Tu n'en as pas? Ma... Farah, voyons, je vais lui en mettre. Peut-être que je ne l'ai pas mis parce que j'ai trouvé que... Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle tricote. Je crois que je voulais lui faire tricoter pour lui faire poser sur son mur. Je crois que c'était ça mon idée. Mais je l'ai jamais fait. Bon, voilà. Du coup, je lui mets. Ah, elle est sympa, cette ambiance violet, bleu, là. Moi, j'aime bien. Ça, c'est trop mignon, aussi. Il y a même un petit sac à dos, là-dessus, hein. Mais bon, là, pour le coup, ça fait beaucoup, non? Ouais, regardez, c'est tout petit, tout mignon. Mais non, je pense que je vais pas mettre ça. Les papillons, je suis pas fan non plus. Un journal intime. Bah, c'est pareil, Farah a le sien là. Ouais, pourquoi pas mettre le même? Je vais regarder s'il y a d'autres choses. Tant que je suis toujours là, quoi. Dommage pour les couleurs de ce truc aussi, là. Il y a quoi d'autre? Non, je crois que j'ai fait le tour, là. Ça, j'avais regardé ou pas? Je sais plus. Non. Bah, du coup... Non, peut-être pas ça, quand même. Pas ça non plus. Ah oui, il y a ça. Ça fait beaucoup de jouets, hein. Les autres ont pas ça du tout. Bah, c'est tout. Ah si, oui, j'avais regardé en plus. C'était ça, peut-être, que j'avais pas regardé. Bah si, en plus. Si. Je peux mettre ça. On peut dire qu'elle l'a fait à l'école. Alors, elle vient tout juste de grandir, mais... Mais c'est bon. Elle a déjà fait ça à l'école. Alors qu'elle n'y est pas encore allée. Trop forte, la fille. Donc, ouais. Oh là là, je croyais que demain, on était dimanche. Non. C'est faux. Ouais, j'allais vous dire peut-être que demain je pourrais vous poster la vidéo sur les Sims 2. Bon, je le ferai quand même, hein. Mais je pensais qu'on était dimanche demain. L'étagère nuage. Pas bête. Soso Netto, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ça comble le vide. Mais de quoi du coup? Je sais pas. Peut-être les sapins? On va mettre une étagère, pas bête, une horloge, des livres, ouais, et un fauteuil. Peut-être pas une bibliothèque, mais juste étagère, fauteuil, encore de la déco, du coup, comme on dit. Est-ce que je le mets de côté, ce truc-là? Je le mets dans mon inventaire. Ah, demain, c'est boulot. Coco, oh non. Bah ouais. Et puis en plus, avec le couvre-feu à 18h, là, c'est encore pire qu'avant. Enfin, est-ce que du coup, vous quittez plutôt le boulot grâce à ça et vous êtes heureux? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous déprime parce que vous avez le temps de rien faire? On va prendre l'étagère rouge parce que là, j'en ai besoin. Si je veux poser mon petit pingouin au bon endroit, il me faut mon étagère. Pose-toi là, mon petit pingouin. Voilà. Pif. Pif. Mais non! Hop. Et voilà. Là, normalement, il est bon. Pas du tout. Attends, où est-ce qu'il faut que je le place? Ok. Je le recule un tout petit peu. Ouais. Et ensuite, je le mets plus dans ce coin-là. Non. Puis en plus, il est pas assez haut.
Il m'embête ce pingouin. Ok, on y est presque. Ça va me stresser. On y est presque. Ces petits pieds, ils sont à moitié dans le bureau. Mais c'est pas grave, ça me va. Moi, ça me change pas le couvre-feu, car je ne travaille pas le mercredi, donc je finis tout le temps le mercredi matin. Je finis tout le temps. Ah mais le couvre-feu c'est tous les jours. Moi mes horaires ne changent pas du tout. Du coup les semaines où je suis dans la faction du soir, je termine à 20h. Ah ouais. Bah oui forcément. Forcément même s'il y a le couvre-feu, si tu bosses dans le commerce, ben voilà, tu dois tout ranger, etc. Et donc finir à 20h. Horrible, Tchelika. Toi, t'as pas de pause, hein, jamais. Hein. Quoi qu'il arrive, ils te font bosser. Hein. Moi qui suis étudiante, j'ai vraiment l'impression, depuis le Covid, de pas profiter de ma jeunesse, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus, ça passe tellement vite, cette période, je trouve. Donc, ouais. 2 ans, quand même, enfin... On perd 2 ans au final. Je trouve que ça fait beaucoup, ouais. Enfin, admettons, tu viens d'avoir 18 ans, tu te dis « Ouais, trop bien, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir aller en boîte, boire pour la première fois et tout. » Eh ben non. Tu peux pas. Il faut attendre 19 ans. Alors que déjà, à 17 ans, tu te disais « Oh, j'ai trop hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir faire ce que je veux. » Et puis ben là, tu peux pas. Tu peux pas voyager, tu peux pas faire la fête, tu peux pas forcément rencontrer des gens non plus, alors que c'est aussi la période où tu t'amuses, tu fais des rencontres. C'est vrai que c'est un peu déprimant, ouais, ça. Bon, au début tu disais ok, il faut quand même faire attention à soi, attention aux autres, mais là ça commence à peser sur le moral et je comprends ouais, que beaucoup... Sois mal. Je vais avoir 18 ans dans un mois, j'ai le seum. Ah, Rosalie. Ouais, moi je dis, bon, après, tu pourras en profiter autant que tu veux, mais voilà, c'est quand même embêtant, quoi. Je vais avoir 18 ans le 19 de ce mois-ci. Ben dis donc, il y en a beaucoup qui vont être majeurs ce mois-ci, là. J'ai l'impression qu'on me prive des moments qu'on a seulement quand on est étudiant, quand on est jeune. Tu sais, j'ai l'impression de pas pouvoir profiter de ces années qui sont folles normalement. C'est vrai. Moi, à l'époque, c'est vrai que dans la région du Sud-Ouest, je sais pas si y en a qui sont du Sud-Ouest, mais il y a les fêtes tout l'été, même en Espagne. Hein, et c'est vrai que tous les jeunes profitent à ce moment-là. Et bon, c'est n'importe quoi. Et du coup, on se dit, tiens, c'est des fêtes qu'on loupe, quoi. Alors que c'est des moments trop, trop cool à faire. Bon, à côté de ça, y en a qui souffrent beaucoup plus que nous. Hein. Nous, on a de la chance, voilà, on a la santé. Enfin, faut se dire ça, faut relativiser. Alors oui, certes, on peut pas profiter. Mais il y en a qui profitent encore moins, qui ont des maladies graves, qui... Mais c'est difficile aussi de penser comme ça, enfin... C'est compliqué. Mais ouais, faut toujours relativiser, se dire que on est moins pire que d'autres, mais on peut pas non plus s'empêcher de se dire des fois, là, aujourd'hui, franchement, j'ai un... Je déprime. Alors, je sais que je suis pas la plus à plaindre, mais je déprime. Et ouais, je trouve que le couvre-feu à 18h, c'est encore pire que le confinement. Vraiment, après c'est peut-être parce qu'en général, je vis la nuit, je suis un petit peu décalée, mais du coup, c'est vrai que j'avais l'habitude de faire mes courses le soir, quand il n'y a personne. Et là, du coup, tout le monde est là au même moment. Ça me saoule. Hier, je vais faire les courses, le parking était blindé. Et au final, c'est encore plus risqué.
parce que personne fait attention. Oh, il y a un mec, enfin, bref, de toute façon, tous les jours, c'est comme ça. Il se colle, ça m'énerve. Du coup, t'as la caissière qui a dit, monsieur, la distanciation, hein. Et en plus, il y a une dame derrière vous qui attendait, hein, qui faisait la queue. Je trouve que c'est mignon, cette étagère. Ça correspond bien. Je passe du coq à l'âne. Dommage que ce cadre-là soit en bois. Moi, j'ai mes parents qui se séparent, donc j'ai le seum. Oh, en plus, Rosa, je suis désolée pour toi. T'inquiète pas, ça va aller. Enfin, tu les verras toujours, normalement. Et puis, c'est qu'ils étaient pas heureux ensemble, donc c'est peut-être mieux comme ça aussi pour eux et pour toi. Il y aura peut-être moins de tension et il y aurait peut-être que ça sera bien pour toi au final. Moi, je sais, quand mes parents se sont séparés, j'étais pas triste parce que je savais que ça allait pas. Donc voilà, je suis vite passée à autre chose quoi. Juste, en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est de devoir changer de maison. Et de me retrouver seule avec ma maman, ça m'a quand même fait bizarre, surtout que c'était au même moment où en fait mon frère a quitté la maison parce qu'il est devenu adulte et il s'est trouvé une copine. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu seule aussi, ouais. Je me suis dit, je suis abandonnée quoi. À mon père qui part et à mon frère qui part, c'est bon quoi. Mais en même temps, vu que je suis une personne assez solitaire, ça m'a en même temps pas dérangé que ça, je sais pas. Chacun voit la chose différemment quoi. Mais faut pas se dire que c'est une mauvaise chose. Je pense que tu les verras toujours tous les deux et ils t'aimeront toujours aussi fort, donc ça ira dans tous les cas. Très risqué, hier on a eu un monde de fous au magasin, la queue dehors jusqu'à 17h et les gens ne respectent pas les distances dans le magasin et ni le port du masque. Il faut sans cesse être derrière. Mais oui, il faut leur rappeler. Et vous, travaillant dans un magasin, vous avez encore plus de responsabilités parce que c'est vrai que... En vrai, nous, on n'ose pas, en tant que client, râler sur les autres. Enfin, on n'a pas envie de faire la guerre à tout le monde non plus. Donc au final, c'est les personnes qui travaillent dans le magasin qui font plus attention, qui vont dire « Ah tiens, monsieur !» Et c'est eux qui s'en prennent plein la gueule, quoi. Alors que c'est les autres qui font les cons. Oh. Est-ce que tu pourrais faire un challenge de rénovation ? Mais on me l'a déjà posé comme question ! Mais vous êtes marrant à me demander ça. Ouais, du coup. Oui. Certainement. Je note tout ça. Mais comme je vous dis... J'ai plein de vidéos notées, plein de vidéos que j'aimerais faire, donc j'espère que ça se fera... Enfin, j'aimerais tout faire d'un coup, quoi. Comme il n'y a pas longtemps, on m'a dit... Oui, tu devais faire une vidéo avec ton chat. Mais attendez... Oh, je sais plus quand c'est exactement son anniversaire, faut que je regarde. C'est ce mois-ci ! Mais je crois que c'est... Je suis pas sûre. Hein. Faut que je regarde. J'ai peur, j'espère que c'est pas aujourd'hui. Ouh là là. Donc bref, du coup voilà, je voulais faire une petite vidéo avec mon chat et donc j'avais quelqu'un qui m'avait dit « Mais tu m'avais dit que tu ferais la vidéo bientôt » et j'avais pas eu le temps de la faire quoi. Ouh. J'ai plein de trucs en tête. Et je dois même aller voir un cuisiniste pour ma cuisine parce que c'est vrai que... Le devis qu'on a eu était pas terrible je trouve. Alors attendez. On me dit que ma caméra est floue, mais bon, de toute façon, ça change tout le temps. Dès que je me replace, normalement, la mise au point se refait. Enfin... Est-ce que c'est mignon, ça? Est-ce que je mets deux petits meubles comme ça, ou est-ce que c'est trop? J'en mets qu'un seul et je mets un fauteuil. Peut-être qu'un seul, ça suffirait, et je mets juste un petit fauteuil. Ah, c'est trop mignon, les petits poufs comme ça, là. Je peux en mettre qu'un et à côté je mets un fauteuil. Mais oh, les fauteuils ils sont gros quand même. Hein. Un pouf alors. Ah, qu'est-ce qu'ils sont choux ceux-là là. Je suis pas fan du tapis. Ah là là. On va jamais y arriver. Jamais.
ça, comme ça. Bon. Après, peut-être que je peux faire ça comme ça. Non. Comme ça me va. Un seul plus un fauteuil. Ouais. Ah merci, c'est délicat. Mais une poubelle. Ah ouais. Je crois qu'elle en a une, elle. Ouais. À un moment, j'en avais même mis deux. Je me suis dit deux fois, oh, il me faut une poubelle. Voilà, une petite poubelle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre accroché là? On pourrait, non, tenter d'accrocher un truc. Après, des manteaux, il n'y en a pas, quoi. Des manteaux d'enfants mignons. Elle est où l'horloge? Ouais. Ça m'énerve ça. Voilà. Je vais en mettre une petite. Elles sont pas jolies. Hein. C'est trop gros. Je vais mettre celle-là, je pense. Une guirlande. Ah ouais ouais. Des photos ouais aussi, ce serait cool, c'est vrai ça. Ouais, il faudrait que qu'on en prenne quoi. Après, les guirlandes, c'était un petit peu le truc de Farah qui est en face. C'est pour ça qu'il y en a plein, parce que c'est la créatrice, mais on peut dire qu'elle lui a créé une petite guirlande. Je savais que ça allait vers ça, je savais. Bah en fait je peux pas réellement... Enfin il faudrait que... En fait j'ai la flemme de... J'ai la flemme de casser le mur, mais bon je vais le faire. Hop. Ah! Ou un miroir? Non, ça fait trop de miroirs. Vous avez raison, un poster. Un poster. Donnez-moi un poster, tout de suite. Ah, il y a des petits trucs comme ça, quoi. C'est lumineux ou c'est moi? C'est lumineux le truc. Comment c'est possible qu'un papier soit lumineux? C'est beau ce truc! Faudra qu'on l'utilise un jour. Oh! Trop mignon. Waouh! Mais c'est beau. C'est trop beau ces trucs-là. On peut vraiment faire une superbe chambre avec ce genre de déco là. Je peux la coller là. Oh, c'est joli ces couleurs là. Ouais, je vais le monter un peu plus. Encore un peu plus. Jusqu'en haut. Comme ça. Et on va mettre un autre petit poster en dessous. Ça.
J'aime pas trop les punaises dessus. Ah, ça, la petite fée. Ça, on va dire que c'est ses copines. Hop là. Tada! Est-ce qu'il y a des meilleures couleurs? Ah, mais ça, c'est mignon quand même. Ok, je remets le mur. Bah écoutez, à part des rideaux... Alors là, c'est pareil. J'ai mis exactement les mêmes rideaux à tout le monde. Donc, pour elle, ce sera la même chose. Mais du coup... Faut que je trouve la meilleure couleur, je pense que c'est le blanc. Sinon ça va faire bizarre. Du coup, il faut que je décale le lit. Et si je décale le lit, ben faut que je décale la table de chevet. Donc heureusement ça passe. Et ça, je le mets là. Et voilà. Et ça, je mets plus par là. Et ensuite, il y aurait d'autres posters à mettre. Mais je pense qu'il faut pas directement en mettre trop. Je pense que comme ça, ça suffit pour commencer. Et pareil, ici, je peux rajouter des petits trucs, mais je vais pas trop en mettre. Et peut-être qu'au fur et à mesure, on se rajoutera des petites décos. Mais je pense que pour commencer comme ça, c'est cool. Non ? On avait dit qu'on voulait un autre truc ? J'ai déjà mis un calendrier ici, donc je vais pas en mettre un deuxième ailleurs. Sinon, c'est pareil, ça va faire doublon. Et de la verdure, bah, je pense pas en mettre, parce que comme on est sur une chambre d'enfant... Si elle est ado, ouais, pourquoi pas, mais là, franchement, elle va pas s'en occuper de la plante, et en plus de ça, elle peut tout casser. En plus, elle est colérique, alors elle va prendre le pot, et elle va le jeter par terre. Très mignon, elle pourra ajouter des souvenirs au fur et à mesure de ton histoire. Ouais, c'est clair, c'est tout à fait ce à quoi je pense, Ménestrelle. Il faut que tu mettes une veilleuse si tu l'as pas déjà fait. Ah! Ouais, c'est pas con. C'est vrai que j'aime bien mettre les veilleuses, mais j'aime bien les cacher en fait, parce que je trouve qu'elles sont pas jolies. C'est lesquelles? Attends, mais celle-là, elle est rigolote, mais en même temps, je trouve qu'elle est si discrète que je trouve que ça a pas d'intérêt. Mais celle que je n'aime pas trop. C'est... Oh, trop mignon ça. Les nuages dans les nuages. Ça va, non? Ah, et si on la mettait juste là, là? Ça pète les yeux, je sais pas pourquoi. Après, j'ai mal aux yeux, moi, aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça. Attends, mais elle est où, là? Celle dont je parle. Ah, c'est celle-là, voilà. Ben là, elle est jolie. Pourquoi elle est belle aujourd'hui? D'habitude, je la cache. Pourquoi on voit pas? Attends, mais elle fait pas des étoiles normalement, cette lampe-là? C'est pas celle-là? Ah non, c'est elle! Mais pourquoi elle est belle aussi, celle-là, aujourd'hui? D'habitude, ouais, je les cache comme ça, et comme ça, il y a juste les étoiles qui sortent. Je préfère, plutôt que de mettre la planète. Mais en fait, là, aujourd'hui, je trouve ça mignon. Bon, pourquoi pas faire les deux. Et là, ici, on met étoile bleue. Et là, rose. Ou deux bleus. Ou rose. Deux roses. Deux roses. Comme ça. Et comme ça. Ouais, moi. Je sais pas, en fait. Je sais pas, les deux, ça me va. Allez, comme ça. On n'avait pas dit qu'il y avait un truc qu'il fallait mettre? Ah oui, ouais. Le journal ainsi. Le journal. Intime. Alors. Sarah, elle a celui-là. Donc. May aura. Farah, ce serait plus celui-là, en fait.
c'est pas grave. Moi, je dirais plus bleu. Bleu ou celui-là. Moi, j'aime bien celui-là. Est-ce que vous validez? Je l'aime bien. Bon, ça, du coup, c'est ses devoirs. Donc, forcément, c'est pas très joli. Je vais mettre ça là, tiens. Elle a les deux à côté. Ah! Elle a pas de lampe! Enfin, il y en a une juste à côté, mais il faut une lampe pour le bureau. Une toute petite. Même celle-là, en fait, elle ferait l'affaire, quoi, je trouve. Jamais les couleurs que je veux, quoi. C'est dingue, c'est fou. Ouais, ça va. Je préfère bleu, je pense. Ça va avec le pingouin. Bon, je la mets là en attendant, mais je pense que je la mettrai plus là. Mais c'est vrai que c'est compliqué de placer... Non, ça m'a tout cassé. C'est compliqué de placer exactement là où on veut à chaque fois. Ah, ça serait plus là, et là je replace. Ah, mais non. Plus là, là je replace. Non plus. Là. Non. Là. Toujours pas. Mais... Là. Ok. Ouais. Je vais plus se mettre là. Voilà. On l'a placé. Elle est parfaite, la chambre, rien à rajouter. Bon. Merci Eline. Un pot à crayon, ouais. Il y a toujours un truc, vous voyez. Après, c'est parce qu'on va trop dans les détails aussi. On est un peu fou. Mais quoi? Pot à crayon. Mais non, c'est pas... Ça s'appelle pas comme ça. Comment ça s'appelle? Mais voilà, vous ne trouvez pas ce que je veux. Il s'appelle comment, ce truc? Ça s'appelle pas un pot à crayon, alors? Comment ils l'ont appelé? Roulement de tambour? Un porte-crayon. Rien à voir. Non, mais c'est... Ils font tout pour nous énerver. Ah voilà, c'est tout mignon. Et c'est tout. Et ici on pourra rajouter une grande photo de son amoureux. Et tous les jours elle fera un bisou. Et ensuite elle sortira de la pièce, elle fermera la porte à clé et elle ira prendre son petit bol de céréales. Tous les jours ce sera ça. Et franchement, elle est stylée sa chambre par rapport à celle des autres. Mais ça va. Je trouve quand même qu'il y a... Il y a une ambiance chez tout le monde, quoi. Bon, je suis pas trop fan quand même de son tapis. Je le trouve trop propre. 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 En fait, ici, il est marron. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu ancien, un peu sali. Et là, ici, bah, je sais pas. Mais après, il n'y a rien qui me convient, donc de toute façon, je vais faire avec cela. Ah, ou peut-être ça. Mais c'est pareil, je trouve ça très blanc. C'est trop pur. Ah, ça. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Je suis désolée. J'ai peut-être tout gâché, mais... Ah, celui-là. Allez. Oh, j'ai envie de regarder Lilo et Stitch. Je sais pas pourquoi, mais cette musique me fait penser à Lilo et Stitch. Ouais. Mais vraiment, j'étais fan de Lilo et Stitch quand j'étais petite. Hein. À chaque fois que je rentrais de l'école, il fallait que je regarde ça. C'était trop bien. Vive l'enfance. Mais c'est pareil. Les pauvres petits enfants à l'école qui sont obligés de porter un masque alors que normalement ils devraient s'amuser sans souci, là, sans faire attention à ça. C'est triste aussi.
Ah, merci Nina. Moi, j'ai mis un rouge à lèvres rouge aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Je me suis levée, je me suis dit, bon, on va faire un petit effort juste sur le rouge à lèvres et puis voilà. Je préfère ce tapis plus foncé et non, c'est merveilleux, ne te critique pas. Ah, merci Little Miss Sun. Allez, je valide. Je valide. Je crois vraiment que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais dit que je voulais faire deux choses. Alors, il y en avait une des choses. Je me suis dit ça dans ma tête. Je me suis dit, il faut qu'on écrive un truc dans le journal intime pour la première fois. Cacher le journal intime? Elle va le cacher où? Dans sa poche? Ou dans la chambre? Voyons. Et ouais, j'aimerais faire des photos. C'est peut-être pas le bon moment pour faire des photos. Eh, sa tête, elle était trop mignonne. Arrêtez de vous parler! Ils se disputent? C'est quoi cette tête encore une fois? Mais... Ah, ça va, rigole. Elle est toujours coincée là-bas, ça me fait trop rire. Elle restera vraiment à vie ici, quoi. Allez, dépêche-toi aux toilettes. Et ouais, j'aimerais bien que quelqu'un la prenne en photo, peut-être ici, là, devant les cadeaux. Mais, bah tiens, ouais, elle va y aller. Mais par contre, qui est-ce? Qui pourrait la prendre en photo? Je crois que... je crois que toi, t'es douée, non? Ouais, ok. Du coup, il nous manque juste un appareil photo, je crois. C'est quoi, ça? Ah, pièce de robot? Mais quoi, mec? Où est-ce que t'as trouvé ça? Ouais, on va s'acheter un petit appareil photo. Appareil photo. C'est lui le plus cher, je crois. On va faire des photos de qualité. Hop. Tu vas venir là. Allez, on y croit. Tu y vas, tu te places. Et toi, tu te mets là. Et toi, tu te mets là. Et tu te... Non, je voulais pas faire ça du tout. Et il commence à faire nuit, hein, chez moi. J'ai pas mis les lumières. C'est l'avantage aussi que je sois en face d'une fenêtre. C'est que je profite de la lumière du jour. Mais bientôt, je vais modifier... l'emplacement de mon bureau et j'aurais pu cette chance. Mais ça m'embête un peu en ce moment d'avoir mon bureau en plein milieu de la pièce. Mais pourquoi il se place là? Il serait sur la photo forcément, c'est sûr. Allez, arrêtez là! Il m'énerve ces Sims. Bon, elle veut pas se placer là. Alors, je la mets là. Voilà, ça peut être bien, je pense. Ok, bon. Je pense que si je fais prendre une photo, c'est mieux que prendre une photo 2. Parce que si je fais prendre une photo 2, ma sim, ça va bouger et ça va me saouler. Voilà. Alors que là, elle bouge pas. Mais du coup, elle est trop petite, cette enfant. on peut pas se baisser. J'aime très bien cette photo. Bon, on va quand même prendre cette photo en se disant que c'est sympa. Il y a le bouquin de l'autre, là. Voilà, à cause de lui, on est obligé de décentrer le... Comme ça. Bon, je la prends, voilà, quand même. Et je la prends dans l'autre sens. Mais en réalité, dans sa chambre, on va pas mettre des photos de nous comme ça. Hein. On va plutôt mettre des photos de nos potes. Donc il faut que je la prenne en photo avec quelqu'un. En plus, c'était l'anniversaire d'Henri. Donc Henri, tu viens. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les poubelles ou quoi?
Allez, viens. Viens ici. Je vais désactiver rapidement l'autonomie parce que franchement, je sais que qu'ils vont pas arrêter de m'énerver. Parce que pour les photos... moi, il faut pas bouger, là. Pareil, lui, il va nous déranger. Voilà, pour le coup, on va prendre une photo de... Eh ! On peut pas prendre une photo de... des deux ? On va pas... Bah... On peut pas en choisir deux ? Il faut que absolument je les place, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je peux pas aller dans le mode construction ? Pendant que je prends des photos ? Mais n'importe quoi. Je vais faire ça. Je vais mettre les marques d'emplacement. Je crois que ça s'appelle marque. Ouais. Et on va placer ça là. J'ai l'impression que ça sera moche. Attendez, je vérifie. Ce qui serait bien, c'est qu'en fait, il soit là. Bon, je vire ça. Je vais mettre là de côté, en attendant. Les marques, on va les mettre là. Toi, tu vas y aller. Non, toi plus là. Et toi là. Attends, ils ont pas de meilleure tenue là ? C'est pas terrible cette tenue. C'est vrai que je galère tout le temps pour prendre des photos. Moi j'arrive jamais hein, du premier coup, c'est jamais parfait. Je trouve que le beige ça lui va pas au teint, mais peut-être du bleu. Du bleu. Il s'habille en violet pour May. Nul cette veste. En fait, voilà, y a rien qui va. Ah! Ah, ça c'est beau! Oui! Voilà. En passant, toi, c'est quoi déjà ta tenue de fête? Ah oui. Bah, on va te mettre une meilleure tenue exprès pour l'occasion. On va te mettre ça. Oh, elle est trop mignonne avec ses petites baskets. Mais je crois que d'ailleurs, c'est ça que j'ai mis. Oui. C'est sa tenue habillée. Bon, c'est pas grave. Elle en aura une autre comme ça. Et je vais lui mettre ça en mauve. Oh, c'est super chou. Ça me va bien. Ouais, shooting express, mais pas trop. Bah ouais, en fait, on devrait pouvoir se créer des photos à partir de nos propres captures d'écran. Au moins comme ça, c'est rapide. Alors que là, franchement, faut trouver un Sims qui a les compétences. Il faut l'appareil photo, il faut placer les Sims. Il faut qu'ils aient la bonne tenue. Ouais, vraiment, j'en peux plus. C'est pour ça que je fais tout le temps ça hors live. Comme ça, quand je reviens... c'est tout beau, tout propre, et on n'a pas du tout l'impression que j'ai galéré. Alors que si. C'est bon, vous y allez là ? Toi, tu vas là ? Mais quoi ? Les bandes de nuls ! Ça me saoule. Allez, si, les marques, oui, vous pouvez tout à fait y aller. Voilà.
Mais ils sont pas trop à côté. Faudrait qu'ils soient plus à côté. Ou est-ce qu'ils vont se faire un câlin? Je crois qu'ils vont se faire un câlin. Prendre en photo. J'ai perdu. Mais je peux pas prendre en photo les personnes sur la marque. Il me faut le trépied. Ah oui, la tenue, merci. Pourquoi elle s'est pas changée aussi, celle-là, là? Je lui ai demandé en plus. Faut que j'aie le trépied. Trépied. Qu'est-ce qu'ils sont énervants, ces Sims? Inventaire. Appareil photo sur le trépied. Prendre en photo le sim sur la marque de placement et les deux. Applaudissez. Nul, c'est nul. Bon, faites-vous un câlin là, je sais pas si c'est possible, mais... C'est quoi ça? Ils sont super éloignés. Donc là, vous allez me dire qu'ils vont pas se faire de câlin. Ok, bon. On va replacer le petit par là, en espérant qu'il veuille bien se placer là. Sinon, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien? Je dirais que c'était pas bien. Il faudrait que elle soit là. Et que eux, ils soient là comme ça, en espérant qu'ils me disent pas non, je peux pas gagner, je peux pas possible. Attendre le photographe, attendre le photographe. Bougez. Action. Croisez les doigts. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas terrible. Mais c'est pas mal. Je sais. On la refait. Couper. Ce qui n'est pas beau, c'est la lampe derrière. Donc nous allons placer ça là. Et nous allons mettre des ballons. Des petits. Plein de ballons. Voilà. Plein de petits ballons. Et d'autres cadeaux. Comme ça. Ah, j'espère que ça va pas faire doublon aussi. Ah, comme ça. Ouais. Et... Que ça se voit sur la photo qu'on est en plein anniversaire, quoi. Sinon ça se voit pas, ça m'embête. Donc là, on peut mettre ça. Oh non, j'ai tout cassé. Bon, c'est pas grave. Hein. Ils vont se remettre sur la marque. Ça, je mets ça comme ça. Je mets ces trucs. Et je remets ça dans le coin. Et là, normalement, ça devrait nous faire un bon décor. J'espère. Je sais pas s'il faudrait que je rajoute quelque chose, mais... Ah ouais, peut-être ça. Pas le placer comme je veux. Ou alors celui-là plutôt. Les deux, allez. Bah dis donc, sur la photo elle en aura des cadeaux. Alors qu'en vrai, elle a eu quoi déjà? Une carotte? Je sais plus. C'était nul en tout cas. Et devant, ouais, c'est tout. Hein. Allez. Attendre le photographe. Attendre le photographe.
vous êtes beaux les enfants, et prendre une photo sur la marque de placement. Mais... Attendez, juste vraiment, c'est moi, hein. C'est moi qui suis chiante. Mais je veux quand même qu'ici, ce soit rempli. Parce que sinon, ici ça fait un trou et j'aime pas ça. Je sais pas si je peux le mettre... Enfin, est-ce que ça va se voir que c'est buggé ou pas? Comme ça peut-être. Allez. Non, c'est la bonne. Oui. Mais par contre, vraiment, elle devrait s'accroupir hein, pour prendre la photo là. Ah, elle est sympa cette photo. On dirait qu'il l'a tapé, qu'elle pleure et qu'il dit « Ah mince hein. !» Oula, c'est encore pire. Mais pourquoi? Mais elle est triste en vrai. Oh, elle est trop mimi. Au cas où, je prends cette photo. Ok, comme ça on l'a pour un amoureux secret. Alors, soyez cool, c'est parti. Wow ! Oh non ! Pourquoi il a la main dans... Ah, ça c'est pas terrible. Bon, on va cacher. On va dire qu'il a la main derrière elle. Voilà. Pourquoi elle louche ? Oh non ! Bon, ça va. Mais il pourrait être plus collé que ça, non ? Oh, trop mignon ! Mais je trouve que vraiment, c'est pas terrible quand même les photos. On peut pas se baisser, et moi ça m'énerve. Ou alors il faudrait que je rétrécisse le trépied, mais je crois qu'on peut même pas, et puis je pense pas que ça changerait. Celle-là on l'a déjà faite, celle-là non, celle-là donc ok. Oula, mais c'est vraiment pas des mannequins par contre, hein. Ça, on le remarque. Ça, c'est pareil, ça peut être une photo d'un crush. Enfin, une photo que détient un amoureux secret. Je la trouve vraiment drôle. Dommage qu'il y ait son bras. Ouais, non. Du coup, comme il y a son bras, je ne la prendrai pas cette photo. Est-ce que s'il rigole, il y aura... Ah oh, mais c'est magnifique. Mais... Oh. Vraiment, on peut pas se baisser. Parce que là, vous trouvez pas que c'est mal fait. La photo pourrait être magnifique si on était plus bas. Là, il regarde pas du tout le photographe. Il regarde je sais pas qui. Bon, je la prends quand même parce qu'elle est mignonne. Ça, c'est mignon, mais ils sont trop éloignés. Ça, c'est mignon. On dirait qu'elle a eu ce qu'elle voulait comme cadeau. Alors que c'est totalement faux. En fait, ouais. Elle est bonne comédienne, par contre. Hein. Alors, j'ai fait que des moyennes photos. J'aurais dû prendre des petites aussi. Oh là là. Du coup, je vais peut-être reprendre celle-là en petite. Au cas où, et en grand. Et ensuite, on passe comme ça. Et je regarde si tout est bon. Je vais la prendre en petite aussi, celle-là. Ça va, celle-là, franchement, elle est mignonne. On dirait vraiment qu'ils sont proches. Et ça se voit qu'ils sont à l'anniversaire, quoi. Quoi, mes lunettes ? Hé, je suis en train de prendre des photos ! Vous me les laissez. Ah, peut-être qu'ils vont être doués. Ah, mais elle est trop mignonne. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mignonne. C'est pas possible.
Alors, si ils sont comme ça... Oh mais non, elle est trop mignonne. On dirait une photo de classe. Va-t'en. Pourquoi il est à côté? Ah, tiens. On dirait qu'elle vient de Strangerville. Ça me fait rire, cette photo. C'est ta photo. Petit élève modèle. Ah, là, lui, pour le coup, ça peut être une bonne photo pour lui tout seul. J'aimerais tourner. Ouais, ça va. Ah, mais toi aussi. Profitons-en. Je suis désolée, hein. Moi, je prends beaucoup de temps à faire ça. C'est très important. Je l'avais pris en petit ou pas? Et celle-là, du coup, bah, je peux la prendre comme ça. Trop bien, j'adore. Ça, c'est une photo qu'elle pourrait mettre dans sa chambre. En se disant, ah, c'est une photo drôle de moi, je me trouve trop drôle. Enfin non, personne ne fait ça, mais on va dire qu'elle, elle le fait. Ça fait combien de temps que je suis avec vous? Quoi, 2 heures? Je vous jure, ça passe trop vite. Puis je parle trop. Cette photo-là, vraiment, elle est trop chou, celle-là. Celle-là, je la veux, moi. Ah, oh, mais lui aussi, il est mignon quand il est comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Dites-moi que vous, vous êtes comme moi. Oh, il est trop mignon. Ok, je te prends photo. Je crois que je l'ai déjà pris comme ça. Au bout d'un moment, on sait même plus. Photo restante, 3. Ok, bon, on se dépêche de prendre juste comme ça. Oh, arrêtez d'être mignon, s'il vous plaît. Ok, bon, je pense qu'elle est pas mal. Donc là, du coup, je vais la prendre comme ça. Et là, on va me dire, c'est fini. Donc du coup, je suis obligée de repartir avec... Et de reprendre des photos en mode rigolo. Je l'ai déjà pris comme ça? Et lui? Non! Pourquoi à chaque fois ils font des têtes différentes? Je l'ai jamais pris comme ça, lui. Ça devait être May qui était comme ça. Mais du coup, c'est pareil, je le trouve mignon comme ça. Je tourne et est-ce que si je les regarde comme ça... Ouais non, il fait vraiment peur. Ok. Ok, bon, là ils sont mignons. Oh, j'ai tellement soif depuis tout à l'heure. Buvez, hein. Il faut boire dans la vie. Au lieu de prendre des photos. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Oh non, non. Je sais plus si on l'a pris celle-là. Ok. Bon, du coup, j'aurais pu la prendre avec Farah et tout, hein. Bon, j'en ferai de mon côté, parce que vraiment, je vais prendre trop de temps. Je vais laisser mon petit setup de photographe, comme ça au moins je sais que j'ai tout sous la main. Et donc, ben, si je regarde... Il va trop y en avoir. Il y en a des vraiment bien quand même. On peut dire que je suis plutôt douée. Alors, j'aime bien celle-là. Il y en a plein que j'aime bien. Oh, elle est tellement chelou. Regardez! On dirait que c'est lui qui l'a pris en photo, que c'est Henri qui l'a pris en photo et qu'elle était toute timide.
Bah, ces photos-là sont trop grandes, elles ne rentreront pas dans mon truc, là. Mais par contre, on a les petites qui sont là, qui sont pas là, qui sont pas là non plus. Mais qu'est-ce que vous me faites? Comment ça? Ça, c'est des petites, du coup? Quoi? Attends, je suis perdue? Mais non. C'est buggé, en plus, ça met du temps à s'afficher, je sais pas pourquoi. Ok, bon. Regardez, ça bug. Ok, bon. Stop! Ça m'énerve. Tu peux choisir une grande photo et mettre des petites autour sur le mur. Ouais, mais je pense que je vais pas... Alors, en fait, comme j'ai pas envie que ce soit tout le temps le même décor, je vais en utiliser qu'une peut-être dans ce thème. Et ensuite, j'irai faire des photos à la plage et tout. Oh, mais lâchez-moi! Je m'en fous! Voilà. Alors, je vais mettre, je pense... ou peut-être deux... Ou alors une seule ici. Mais je peux pas la mettre là, du coup. Elle est trop grande? Trop grande? Pourtant, j'ai pris petite et moyenne. Quand je clique, ça veut même pas la poser. C'est vraiment buggé, les photos. Ah, celle-là, je peux la mettre, je pense. Bon, stop. Toi, tu vas là. Il y a rien là-dessous, hein, je crois. Mais est-ce que... Pourquoi ça rentre pas dans ce truc? Je veux la mettre là, hein. Pourquoi ça veut pas? C'est vraiment buggé. Non, ok, bon. Ouais, je pense que je peux rétrécir effectivement, mais du coup moi je voulais mettre dans ce cadre. Et je comprends pas que ça rentre pas. Pourtant j'ai déjà fait, hein. Mais non, j'ai pas rétréci le cadre. Ah si. Merci. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Désolée. Ah, je savais pas que j'avais oublié que j'avais rétréci. Ah, je comprends mieux. Merci. Alléluia. Bon, du coup, ça dégage. Mais en vrai, ce cadre, oui, je trouve ça dommage parce qu'il t'impose... De mettre ça à la verticale puis à l'horizontale, enfin tu peux pas réellement choisir. Moi j'aurais aimé avoir une grande photo à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, donc ouais, je trouve que ce cadre est nul. Je peux le mettre là, lui. Bon, pour commencer, on va faire ça, et je pense qu'après, elle va mettre Farah et Ben, pourquoi pas, à côté, ou Jamie, ou je sais pas. Et en fait, on va prendre une autre photo, comme... On va prendre celle-ci. Et on va la mettre là, par contre. Et là, je vais tout mettre dans l'inventaire. On devrait pouvoir avoir un aperçu de la photo, enfin de toutes les photos, plutôt que d'avoir un x4, parce qu'on sait même pas ce qu'on a du coup. Celle-là, elle est trop chou. Quelle est la mieux de lui? Je pense ça. Hein. J'aime bien celle-ci aussi. Vous
Bon, je la garde de côté, mais je la supprimerai, je pense. J'ai vraiment pas envie d'en avoir plein de... avec les mêmes décors. Celle-là, elle est chaud aussi. Est-ce que lui, alors, il se met la photo de May au-dessus, là? Ou est-ce que ça fait trop? Je vais la garder au cas où. Je vais la garder là. C'est tellement bugué que quand je prends la photo, il veut pas. Ou alors je lui mets celle-là. Je vais lui mettre elle plutôt. Ça fera moins glauque. Pourquoi t'as une photo de moi dans ta chambre? Voilà, là ils sont copains, ça va. C'est vraiment galère ce truc. Ouais, bah je voulais voir si je pouvais pas plutôt mettre la photo de May, mais bon, on verra. Parce que c'est pareil, je trouve ça glauque qu'elle mette une photo de lui. Allez, je vais faire comme ça. Et on ajoute le cadre, parce que ça sera beaucoup mieux. Ajouter un cadre. On va mettre un cadre. Bois foncé. Oh. Mais ça, c'est pas bois foncé. Vous avez vu comme ça lag? Oh. Plus de choix. Hein. Non. Mettre à jour le cadre. On va mettre noir plutôt. D'accord, ça n'a même pas changé. Bon, c'est pas grave. J'en peux plus. Et là, par contre, on va mettre blanc. Ah, c'est pareil, les cadres, je les trouve trop gros. Et je trouve ça vraiment dommage, le rendu que ça fait. Et là, par contre, si je veux, je peux la rétrécir. Oui, en fait, je sais pas pourquoi je me prends à la tête à prendre des petites et moyennes photos, alors qu'en fait, il faut prendre une grande photo, une immense, et ensuite tu la rétrécis. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ça va plus vite. Puis en plus, les cadres, ils sont vachement plus jolis quand tu les rétrécis. C'est mignon. Ils gueulent tous les deux. Ça fait une photo très naturelle, je trouve. Et là, c'est pareil. C'est très mignon. Celle-là, elle est beaucoup plus nette que celle-là. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, il y a un filtre alors que non. Est-ce que je peux mettre un filtre plus... avec plus de contraste? Ou ça n'existe pas? Je crois pas. Ou sombre peut-être? Bref. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est... il y a moins de contraste sur celle-ci. Bon, je vais laisser comme ça. Ça me va quand même. Mais voilà sa chambre et voilà les photos. Et je continuerai. Et je vais arrêter là parce que il fait nuit. mais je vais voir du coup si je lance pas un live après sur Animal Crossing. Peut-être plus du coup en soirée. Là, je vais aller boire un coup. Vite fait. Et puis, je vais essayer d'installer tout ce qu'il faut pour Animal Crossing. Si ça lag trop, clique sur option dans les trois petits points, puis ferme cette fenêtre. Par la suite, ça enlève le lag. Voyons. Ah oui. Merci. Merci, Claude. Ah, dis donc. Ouais, c'est marrant, ça. Ah oui, c'est bon, ça lag plus du tout. Ça faisait mal aux yeux, le fait que ça lag. Là, c'est beaucoup mieux. Merci. Bon, bah écoutez... ça m'a fait plaisir de faire cette petite création de chambre avec vous aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, je pense que forcément, on pourra jouer. Et il faudra également que je rénove
cette maison là-bas. Je vous en avais déjà parlé, donc peut-être qu'on fera un petit live rénovation de cette cabane. Et ce sera un petit coin de vente aussi, vente de poissons, poissonnerie, tout ça, tout ça. Je pense que ça va être vraiment cool. Et en même temps, bar pour les jeunes, tout un mix de ça. Comme ça, ça nous fera un petit point de rendez-vous avec nos adolescents et nos petits-enfants curieux qui veulent savoir ce que font les grands. Parce que c'est vrai que dans le quartier, là, pour le moment, c'est pas rénové. Là, ici, il n'y a rien. Cette maison, c'est pareil, pas terrible, terrible. Donc, ça serait bien de la rénover. Je sais qu'un peu plus loin, par contre, ouais, j'ai rénové quelques maisons. Mais c'est dans cette zone que je ne l'ai pas fait. Donc, il faudra faire ça. Bonne boisson. Merci, Coco. Merci, Jellica. J'espère que je n'ai pas loupé de messages importants. En parlant de messages importants, du coup, je vais en profiter pour répondre à mes messages, ce que vous entendiez tout à l'heure. Et puis, ouais, on se dit à tout à l'heure. À quelle heure le live Animal Crossing ? Je pense que bah, si je le fais, ça va être plus vers... sachant que là, il est déjà 19h. On se dit plus ça vers 21h, je pense, plus chill, voilà, ce soir avant dodo. J'espère que ce ne sera pas trop tard pour vous. Et puis sinon, voilà, vous savez qu'il y aura la rediff dans tous les cas. On verra ce qu'on fait. Je suis pas trop... De toute façon, sur Animal Crossing, c'est un petit peu... on se laisse porter par le jeu. Tiens, j'ai envie d'enlever cet arbre. Et bien, tout d'un coup, je me mets à refaire toute mon île. Voilà, on verra ce qu'on fait. Mais voilà, ce sera pour ce soir. Pas tard, j'espère, je me lève à 4h30. Ah oui, ouais, non, ça risque de faire tard pour toi dans tous les cas. Couche-toi maintenant, d'ailleurs. Non, mais ouais, 4h, ça va être dur, là. Hein. Oui, ça va être chill, voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup. J'imagine que j'arrive tard, mais c'est le premier pour moi avec toi, Pixia. Oh, désolée, Lily, oui, t'arrives trop tard. Du coup, j'arrête le live Sims, mais on se retrouve tout à l'heure sur Animal Crossing. Tu ne peux pas faire ça à 20h. Ouais, je vais voir. Je vais voir aussi avec mon copain ce qu'il veut faire. Tu fais une vidéo où tu réponds aux questions, s'il te plaît. Pourquoi pas, Alicia, c'est vrai que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Faudra que je demande sur Instagram s'il y a des questions. Et si je vois que les questions peuvent être intéressantes, ben je fais une petite vidéo. Je viens juste d'arriver, j'ai tout loupé, bon sinon bye. Bye ! Ouais, il y a la rediffusion dans tous les cas. Et puis du coup voilà, je vous laisse, c'est bon. Vous êtes libre. Et je vous dis à tout à l'heure si vous êtes dispo. Et puis sinon, à demain ou un autre jour pour d'autres vidéos ou quoi. Merci beaucoup, encore une fois d'avoir été là. Et voilà, bonne soirée sinon. Et bonne nuit. Ciao ciao. Bisous, bisous.